Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un petit sujet qui me tracasse un petit peu l'esprit de ce temps-ci. Et je vous parle des algorithmes, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok ou YouTube. J'étudie YouTube. Instagram, peut-être que j'ai pas dit. Les algorithmes, la façon dont ça fonctionne. Voilà plusieurs années, on se demandait si la Terre était ronde ou si la Terre était plate. Aujourd'hui, on se pose la question, comment fonctionnent les algorithmes sur les réseaux sociaux? Et avant de commencer un petit peu dans le milieu des algorithmes et apprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, ou vous allez m'aider à apprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. À quoi sert l'algorithme général? C'est pour vous laisser le plus longtemps possible devant votre écran, que ce soit votre téléphone cellulaire, que ce soit devant votre ordinateur, devant votre télé, sur le réseau en particulier. Que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, ils ont tout le même but final. C'est de vous laisser le plus longtemps possible devant leurs réseaux sociaux en vous envoyant du contenu qui vous intéresse. Comment les réseaux sociaux font pour savoir que c'est du contenu qui vous intéresse? C'est de la façon dont vous allez interagir avec cette publication-là ou avec ce YouTuber-là ou avec cette page Facebook, Instagram, Twitter-là. C'est de la façon dont vous allez lui dire que vous aimez ce type de contenu-là. Je vous donne un exemple. Pendant qu'on fait la vidéo YouTube, si vous prenez le temps de vous abonner, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous allez avoir des notifications qui ont rapport à la chaîne comme je fais. Si vous prenez le temps de faire le pouce d'un heure sur les vidéos YouTube que je fais, l'algorithme YouTube va dire que c'est du contenu qui intéresse, alors on va le propulser un petit peu mieux à travers la toile. Si tu prends le temps de commenter, c'est aussi une autre façon de montrer aux algorithmes que vous aimez ce type de contenu-là et que vous voulez continuer à l'écouter. Sur YouTube, évidemment, le nombre de temps qu'on va passer à regarder la vidéo. Si tu regardes la vidéo de A à Z, si tu recules dans la vidéo, si tu reviens voir la vidéo, c'est cette façon-là qu'ils vont dire « Hey, cette vidéo-là est vraiment intéressante, on va encore la propulser dans notre réseau. » Et c'est Fitz qui va sortir en premier au lieu de Alfonso. Parce que Alfonso, il y a moins de likes, il y a moins de commentaires, il y a moins de vues, il y a moins de temps de lecture. Alors, on aime mieux propulser quelqu'un qui va utiliser un petit peu plus nos réseaux sociaux et qui donne du contenu de qualité. C'est la même chose pour Facebook, c'est la même chose pour Instagram, c'est la même chose pour Twitter. Si tu veux suivre une page comme ma page du Brasseur ou la page de Fitz et que après un mois ou deux, t'as jamais liké une photo, t'as jamais commenté, tu scrolles plus vite juste pour voir les photos. Éventuellement, ma page va juste simplement disparaître de ton fil d'actualité pour te montrer des choses que eux pensent que ça t'intéresse plus. C'est que le fil d'actualité va être composé de qu'est-ce que t'as liké dans le passé et ils vont te ramener des publications similaires pour t'aider à mieux cibler le type de personne que tu es. Et tout ça, c'est la façon dont YouTube fonctionne, les algorithmes vont fonctionner. On n'a pas nécessairement la plage mathématique qu'ils vont faire, mais c'est sûr que le but, c'est de vous amener le plus possible à rester connecté sur vos réseaux sociaux. Mais pourquoi je vous parle d'algorithmes aujourd'hui? À quoi ça sert de vous expliquer ça? À quoi ça sert de vous dire dans toutes les vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche, tapez sur la cloche, faites des likes, commentez, parlez-moi en commentaire, j'aime ça vous entendre, c'est vrai, j'aime ça avoir des questions, ça m'aide à faire d'autres vidéos. Le but premier de la chaîne du Brasseur était d'expliquer comment faire de la bière maison en vous présentant différentes techniques, différentes méthodes et en vous montrant aussi la façon dont les nouveaux équipements fonctionnent. Et c'est encore le principe de cette chaîne-là. Tout simplement, c'est de vous expliquer, de vous montrer, de vous faire apprendre comment fabriquer votre bière maison. Et il y a plein d'autres projets qui s'en viennent pour 2021 que je vais taire parce que si je les fais pas, ben vous serez pas fâchés. Pourquoi j'ai parti la chaîne de Fitz? Parce que j'ai remarqué avec quelques années encore avec YouTube que certains contenus plaisaient à certaines personnes, mais déplaisaient ou intéressaient tout simplement juste pas la communauté du Brasseur, les personnes qui me suivent pour apprendre puis regarder. Les vlogs, les explications de d'autres choses que la bière, les petites choses qu'on fait dans le... que j'allais faire des vidéos chez des places qui faisaient du vin,
c'est des contenus qui étaient un petit peu moins regardés sur ma chaîne YouTube. Si les contenus sont moins regardés, sont moins propulsés, puis ça fait descendre les statistiques de la chaîne. Alors quand on met une vidéo, s'il est moins vu, ça fait descendre les statistiques, ça fait en sorte que moins de monde vont écouter les vidéos que je fais et on va être moins bien propulsé. Le but, c'est d'atteindre le plus de monde possible avec la chaîne YouTube pour vous expliquer comment faire de la bonne bière, pour vous expliquer comment faire des bonnes choses. Le but de la chaîne de Fit, à force de faire des vidéos sur YouTube, je voulais apprendre comment faire des vidéos et j'ai commencé à regarder des tutoriels, lire des livres, prendre des cours, acheter de l'autre matériel, du nouveau matériel, encore du nouveau matériel pour tout le temps améliorer la qualité des vidéos. Alors, en expliquant seulement comment faire de la bière, je me ramassais dans un endroit où j'étais un petit peu serré dans la créativité que j'aimerais vous montrer, vous expliquer et les autres projets qui m'intéressent et qui intéressent peut-être quelques-uns d'entre vous. Sinon, on va aller chercher une nouvelle sorte de communauté. Donc, le but de cette vidéo aussi aujourd'hui. On a parti le channel de Fitz, qui est moi, Fitz le brasseur, pour simplement expliquer au monde d'autres choses que la bière. Alors, si tu veux... de l'entrepreneuriat, du comment faire le cuir un petit peu, des tutoriels, comment faire des vidéos, comment faire du whisky, comment faire, qui n'a pas rapport nécessairement à la bière, mais à l'envers du décor, à comment je fonctionne, à la boutique, comment ça marche, ben c'est la chaîne à regarder qui me permet d'être beaucoup plus versatile dans le contenu que je vais y offrir. J'ai présentement une chaîne très axée sur un produit en particulier qui est la bière maison, qui est la fabrication de bière, la bière artisanale, qui est la bière en général. Maintenant, j'avais le goût d'avoir un channel qui va parler de whisky, de café, qui va parler de d'autres choses que simplement la bière et juste la bière tout le temps. On n'élimine pas l'autre channel. Alors, c'est un petit peu le principe de l'algorithme, c'est de m'aider à améliorer ma chaîne qui est Fitz. Ça fait un an qu'on l'a parti, je sais qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos pour être propulsé à travers les réseaux sociaux. Mais si tu veux m'aider, t'as juste à faire le pouce, partager, commenter et t'abonner, faire la petite cloche. Va t'abonner sur le reste de mes réseaux sociaux. Je veux voir si l'algorithme, quand on va mettre des photos, ça vous coûte rien de faire un pouce en l'air, ça vous coûte rien de faire un j'aime sur une publication, un rire, un bonhomme triste, whatever, sur laquelle plateforme que vous êtes. Ça fait juste aider à YouTube ou à Facebook ou à Instagram de dire « il fait du bon contenu, on va propulser pour l'aider à s'améliorer ». L'autre chose aussi, c'est que quand on fait ce type de vidéo-là, le but c'est de partager, c'est d'avoir des commentaires autant positifs que des fois un petit peu plus négatifs pour nous aider à s'améliorer. Et c'est rendu quelque chose que j'adore faire des vidéos. Vous le voyez, j'en fais de plus en plus. Et quand j'ai un petit 2 minutes, ben ça me fait plaisir de vous le faire et de faire quelques montages pour vous. Alors, si tu veux m'encourager encore là une fois, c'est vraiment apprécié. Sinon, il y a tout le temps la possibilité de donner des dons en dessous de la description. Je sais que sur le brasseur, beaucoup de monde en donne et je vous remercie vraiment beaucoup. Ça m'aide à améliorer la qualité de ces vidéos. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Tu peux aussi, tout simplement, commenter, faire le pouce pour dire que tu as aimé le contenu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis. Si vous avez tout fait ça, on va faire un petit récapitulatif de savoir si ça a fonctionné et si la chaîne s'est faite propulser beaucoup plus. Merci, bye, à la prochaine.